Salut à tous, hein. Donc nouvelle sortie détection. Hein. Donc on est dans le 01 à Argis. Argis à côté de Bourg-en-Brest. Ouais, Bourg-en-Brest, et voilà. Hein. Donc le cadre, hein. Rien à voir avec nos vignes et nos labours, hein. Et nos pinèdes. Hein. Là on est vraiment à la montagne. Hein. Puis là on peut voir sur la gauche de la forêt. Là on verra pas bien, on essaiera d'y aller tout à l'heure. Bon, par contre, on est en âge, hein, parce qu'on a marché pendant une demi-heure. Donc là, on est sur le chemin, là. On est en train de remonter tout le chemin avec les deux détecteurs, chacun de son côté. Puis voilà, puis Cédric nous a fait un bon son, là. Puis il nous a fait une boursée. Une boursée, ouais. Alors, c'est où Ben là, j'en vois une là, ouais. Et une là. Alors, ben, c'est des 10 francs. Voilà, une boursée de 10 francs. Hein. Deux dans le même trou, hein. Deux 10 francs. En plus la même année, 88-88. La même année, 2 10 francs, c'est excellent, un bon début. Ah, attends, pour voir là. Bouge pas. Ah, excellent. Ouais, bah de la bombe. Hein. Regarde s'il n'y en a pas une troisième, parce que t'as eu le double son dedans. Ouais, c'est bon, hein. Je crois que t'as sorti les deux, ouais. Qui restaient. Hein. Oh, bah génial. Hein. Bon, ben bah, c'est un bon début. Hein. Alors, espérons qu'on trouve un peu plus de pièces anciennes, quoi. Allez, tchou! Allez! Salut à tous! Bon ben, autant je me suis plaint du sud qui faisait chaud, je crois qu'on a battu les records. Hein. regardez la petite montée, combien pire, de faire. Le pire reste là quand même, hein. Attention! Hop là! Des vignes comme ça, j'en avais jamais faites. Hein. Nous on vient du village en bas là. Donc celles-là elles sont hard. Hein. Mais franchement d'ailleurs le raisin a pourri, hein. Ils ont trouvé personne pour ramasser le raisin, hein, d'ailleurs. Donc ça se passe là. J'ai fait une trouvaille, mais vraiment, il fallait aller la chercher la trouvaille. En bout de course. Et putain, je vous garantis, hein, truc de dingue. Ah, c'est horrible. Mille fois les vignes du sud. Il n'y a pas chier. Voilà, un petit crucifix. Hein. Vous me galérez chez nous. Ouais, il y a des inscriptions, il faut avoir un nettoyage. Il y a l'air d'avoir des inscriptions dessus. Ou voilà, mais je suis en transe, hein, je vous l'imaginez même pas, mais. Et c'est pas, j'ai pas mis de l'eau sur le visage, garantie. Hein. Horrible, hein. J'en peux plus. Bon, voilà, faut avoir le cœur bien accroché. Bon, bon. À la prochaine trouvaille, peut-être, si on y arrive, putain. Ou si on n'est pas mort avant. Allez, tchou! Bon, ben, nouvelle cible hein, pour moi. Hein. Cédric qui est à côté là. S'il nous a fait de beau là. Oh putain. J'ai mal aux pattes. Merde ou quoi? Fais voir. Attends, vas-y, je regarde, bouge pas. Ouais, c'est une merde. T'as eu un bon son. Hein. Ouais, bon. Ouf. Bon ben moi ça se passe là. Hein. Décidément, c'est la deuxième croix que je fais. Hein. Celle-là elle m'a l'air vachement plus récente en tout cas. Bon j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est plus jolie. Hein. Il y a franciscain ou quoi ici? Ouais, cimetière ici. Hein. Bref quoi. Bon sympa. Hein. On va faire la descente là, on est en train de redescendre la vigne. Hein. On va faire la descente, on va voir s'il y a des autres trouvailles, et puis s'il y a autre chose, on refera une montée, on sera courageux. Bon allez. Allez, à tout de suite. Bon ben première monnaie pour moi dans la vigne. On a trouvé une nouvelle vigne en bordure qu'on avait repérée de loin par rapport à la route. Ça monte, hein. Ça monte raide encore. C'est moins raide que hier, mais ça monte. Donc, pas de son jusqu'à maintenant hein, sur les trois allées de vigne.
Puis là, premier son sur un trou pas très profond. Puis première monnaie hein, sur un son médium. Hein. Donc c'est 20 centimes, je crois. Mais bon, c'est pas nos anciens francs. Hein. Donc de toute façon, j'essaierai de nettoyer tout ça et puis on postera des photos. Voilà. Bon, allez, tout de suite. Bon, les amis, hein, juste 2 mètres après la première trouvaille, hein, la première monnaie. Hein, ben, nouveau son, 2 mètres après. Hein, nouvelle monnaie. Hein, et franchement, le son était bizarre. Hein, le son il était pas franc au départ. J'ai quand même voulu aller creuser. J'ai bien fait. Hein. Donc, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un Napoléon. On va découvrir ensemble ce que c'est. Alors, je vais essayer de me mettre à la lumière. Ouais, bah je sais pas trop ce que c'est. Ça m'a l'air d'être un impôt, mais je suis pas sûr. Ok, bon allez, tout de suite. Bon ben allez, hein. Il est exactement 12h52, hein. on va se restaurer un peu là, du coup voilà quoi, Cédric, hein. Salut. Et sandwich, du coup voilà quoi. Sandwich, hein. Pas des sandwichs de PD ça. Ouais, oui. Par contre on n'a pas de boisson, hein. On en buvra de l'eau. Hein. Allez bon ben cet après-midi on change de coin, on va aller en forêt je pense, on va essayer de trouver une forêt. Voilà, allez, tout à l'heure. Oh, t'es rafraîchi un peu à la fontaine? Ouais, un peu, ouais. Tu m'étonnes. Ouais, donc là, on s'est arrêté au petit village, là. On va aller prospecter dans la forêt qui est pas loin. Là. C'est juste pour filmer un peu l'église, qui est sympa, quoi. Oh, voilà, quoi. Ça date du 13e siècle, je crois. Voilà. Bon, ben, les amis, on est dans la forêt, hein. Donc, au milieu de nulle part, perdu. Ça doit faire 1 heure qu'on marche à peu près. Et perdu de chez perdu. Alors on rejoint des petits chemins au fur et à mesure des fois là quand on en rencontre. Voilà. Il y a Cédric qui est avec moi, on s'est pas trop égaré quand même. Salut. Même si on a perdu notre chemin. Ah, que le chemin. Que le chemin, c'est le principal. Hein. Le tout c'est plus retrouver la voiture après. Mais bon, on a une astuce. Hein. On a anticipé les choses. Donc un bon son là. Certains la forêt, il n'y a pas trop de son. Hein. Puis là, hein, ma première. Hein. C'est la première que je fais. Voilà. Voilà les poteaux. Hein. Une cloche. Hein. Une cloche. Hein. C'est. Je sais pas si elle est entière. Hein. Voilà, il n'y a plus le machin dedans. Mais bon. Mais bon, je suis content, hein. Franchement. Et par chez nous, on ne trouve pas ça. Dommage, elle n'est pas entière, mais bon, ça fait plaisir. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, continue. Bon, ben Cédric nous a eu un bon son. Hein. Certainement une monnaie, hein. Il a pas regardé encore. Hein. Ouais. Soit une monnaie, soit un bouton, je sais pas si vous la voyez. Elle est là. Ah, si je veux regarder, vas-y. Hein. Ça a l'air d'être une monnaie en tout cas. Ouais. Là on est vraiment au milieu de nulle part. Hein. C'est monnaie non? Ouais. Ça va être compliqué là. Il y a un petit anouille ou. Ouais. Non? À mon avis, ouais. On va être un coup quand même là ou pas où hein. En tout cas ça claquait bien. Il faudra avoir un nettoyage certainement, ouais, peut-être un louis. On va avoir un nettoyage. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. On pensait qu'il n'y avait rien dans cette forêt. Mais bon, a priori, il y a l'air d'avoir des trucs. Mais bon, après, c'est pas trop accessible. Il y a vachement de végétation.
coup voilà, hein. Bon ben tiens, Cédric, bravo. Voilà. C'est cool. Allez, on rallume tout de suite. Bon ben nouvelle trouvaille pour moi. Hein. On a Cédric qui est là-bas. Voilà. T'es où? Je te vois pas. Je te vois pas. Ah ça y est, ouais ouais ça y est. Avec Cédric qui est là, hein. On se voit plus. Hein. Ouais, j'ai trouvé une bague. Une bague ancienne. Ouais. Ouais, trouvaille. Voilà. Une petite bague. Ouais, je pense que c'est assez ancien, quoi. Ça m'a l'air vachement léger, en tout cas. Un cadavre, ouais. Donc sympa, ouais. Sympa. Voilà. Je sais pas, je pense que c'est du cuivre. Voilà, voilà. Bon, ça me fait plaisir. Bon, allez, on continue, hein. Mais c'est misère, la forêt. Hein. Allez. Salut à tous. Donc changement de coin. Hein. On est où là, Cédric? À Vienne. On est à Vervienne, quoi. Donc au final, on devait rentrer sur Bolène, tout ça, pour passer détecter vers là-bas. Et au final, on est tombé, on a été pris à part dans les bouchons, donc on a pris la première sortie qu'il y avait. Puis au final, voilà, quoi. Du coup, on a dit tant qu'à faire, plutôt que d'attendre 2 heures dans les bouchons, autant passer 2 heures à prospecter. On a repéré un coin là, sympa. Bon, bah, par contre, il y a pas mal de trucs, il y a des tracteurs et tout là-bas. Mais personne à l'horizon, on aurait voulu demander l'autorisation quand même, comme on ne connaît pas ici. Et j'espère que le gars sera indulgent s'il tombe sur nous, quoi. Du coup, voilà, quand on a un petit labour, là. Donc on n'est pas allé en face, parce qu'en face, ils ont cultivé. Il y a des vignes en hauteur, là-bas. Mais bon, franchement, on a assez donné sur les vignes en hauteur. Hein. Ouais. Du coup, voilà, mais le labour a l'air pas mal. Hein. Donc Cédric a eu un son. On a attaqué, hein, il y a 5 minutes. Cédric a eu un son. Ça se passe là, ouais. Donc sur un trou pas très profond. Hein. Donc il a fait une. Bah, elle est cassée. Hein. Mise au point. Donc elle est cassée. Hein. Donc je sais pas, je pense un DT. DT cassé, quoi. Voilà, tiens, Cédric. Puis moi, hein, à côté aussi, en surface, hein, un son. Et une monnaie. Hein. On va voir ce que c'est ensemble. À mon avis, c'est du DT aussi. Oh, même pas, peut-être du napo. Peut-être du napo. Ouais, c'est du napo, ça. Ça doit être un... Ouais, c'est Napoléon. Un centime, je pense, ou 2 centimes, voilà. Voilà, ben 2 centimes napo. Donc ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air vachement prometteur, ce petit labour. Hein. Génial. Voilà, bon allez, on continue, on rallume à la prochaine trouvaille. Oh les amis, hein, on est vraiment dans un cadre là, superbe. Avec entouré de labour et de vignes. Et ça remonte, hein, ça remonte jusqu'à là-bas. Franchement, super sympa l'endroit. Super. J'espère que les trois elles sont au rendez-vous. Donc j'ai attaqué la vigne, moi. Cédric qui est là. Hein. Ah, il a un son, là. Moi, j'ai eu un bon son, là. Dans un trou, en plus, la terre, elle est un peu molle. Super. Où c'est que ça se passe, ça? Je ne me rappelle même plus. Attendez. Ouais, c'est là. Donc ça se passe là pour moi.
Ouais, ça pue le foin. Hein. Ah, c'est encore dans la motte. Hein. Merde. Voilà, monnaie. Monnaie. Ouais. Au bout. Puis ça va, elle m'a l'air pas mal. Enfin, on a l'impression qu'on va avoir des relières dessus. Après, je sais pas ce que c'est. Hein. Mise au point. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah. Je sais pas, mais putain, on a l'impression de voir pas mal de trucs. Allez. Je jure. Qu'est-ce que c'est ça ? Un solde. Je sais pas. Je vais voir. Je vais essayer de nettoyer. Je rallume. Allez, à tout de suite. Oh bah Cédric hein, il m'a appelé hein. Oui hein. Ah ça y est hein, ça commence. Ah ouais, va calme. Hop. Ouais, nickel. Donc elle est là. Voilà. Je peux découvrir. Ça c'est un ma peau, non ? Ouais, c'est vraiment une différence. Ça m'a l'air... Oui. Je sais pas. Bon, peut-être pas, c'est la terre. Ah, c'est du sable, hein, autant ça bouge. Hein. Faudra avoir un nettoyage. Ce côté, il est sabot. Hein. Ouais, bah cool, hein. Super. Ouais, on est dans le labour là. Donc, on a vu le proprio, il nous a dit que c'était pas cultivé, qu'on pouvait y aller quoi. Voilà. Bon, allez, on va continuer. Allez, à tout de suite. Bah, allez, un nouveau son pour moi. Il fait énormément de chaleur hein, ici. Donc, un trou pas très profond. Hein. C'est là. Hein. Hop. Voilà. Un bouton. Il m'a l'air pas mal en plus. Hein. Voilà, République française. Je connais pas ces boutons, mais il est en bon état et tout. Il y a la tâche et tout, c'est super. Voilà. Allez, je continue. Nouvelle cible, nouvelle trouvaille. Je pense que c'est une monnaie. Ça passe là. On va voir ensemble ce que c'est. Ok. Alors, est-ce que c'est une monnaie, oui ou non? T'as encore cette pièce là? T'as, c'est la même que tout à l'heure. Non? Ah, c'est le même truc que j'ai trouvé tout à l'heure déjà. Bah, dans la vigne qui était pas trop loin. Hein. Décidément, je sais même pas si c'est une pièce. Bon bref. Pièce ? Attends, j'arrive. Bon ben... Deux soldis. Hein. Mais alors franchement, j'ai même pas assez de monnaie. Bon allez, je vais aller voir Cédric. Hein. Napo ! Allez, mise au point, c'est quand tu veux. Ouais. Napo ou quoi ? J'arrive ? Allez, je le rallume de suite. Bon, allez. Elle m'a morflé ou quoi ? Ah putain, merde. Oh, langue catanée. Napo, ouais. Ouais, c'est 5 centimes ça je crois. 5 centimes, ouais.
ça va. Ouais, derrière on y perd rien. Pouah, l'aigle il est foutu. Foutu, regarde-moi. Oh, c'est ça. Je crois que c'est la même pièce que j'ai faite dans la ville tout à l'heure. Oh, par contre, t'as le TGV qui passe là-bas. Pff, laisse tomber. Deux soldi. 1799. Ouais, je sais même pas ce que c'est comme pièce. Bon, allez. Allez, tout de suite. Prochaine cible, prochaine trouvaille. Bon les amis, hein, j'ai une cible, hein. Je sais même pas où c'est, mais j'ai une cible. Cédric vient nous faire une trouvaille là. Tu vas voir? Je la garde de l'autre côté, mais... Oh, joli. Ah ouais, belle. Hein. Je sais pas ce que c'est ça. République française. Mmh. Belle, hein. Bah, derrière, tu la nettoies. Et derrière aussi. Bon écoute, moi j'ai un son là, tu vas prendre la caméra. C'est une passation de caméra. Passation de caméra. Un live, hein. Allez, un petit live. Il y aura bien. Alors, j'ai pas regardé la profondeur. C'est sorti. Là, c'est sorti. Hein. Alors, ah. C'est dans la main. D'abord, un obus. Sur la marche. Je pensais que c'était là, tu vois. Marque, moi, allez. Ciao. Une merdasse. Une merde. Allez, tcho. Ouais. Bon ben on a changé de coin, hein. On a repris un labour qu'on avait repéré vers la route là. Donc Cédric m'a appelé, il m'a dit qu'il venait de faire sur l'équivalent de deux trous coup sur coup là. Il avait fait deux trucs, hein. une bague et une napo. Donc je suis abonné au napo. Ouais, là aujourd'hui c'est un 10 centimes en plus je crois. Ouais. Donc 10 centimes napo pour Cédric et une bague, une belle bague, enfin une belle bague. Je mettrai pas ça, mais bon. Ouais, avec une espèce de diamant, mais faux diamant, bien sûr. Puis voilà, et puis j'allais repartir, et puis juste à ses pieds, hein, ça sonne. Hein. Je demande à Cédric si... Il m'a piqué mon trou. Hein, je lui demande s'il avait pas balancé sa merde là, il me dit non. Et au final, ben, j'ai creusé, et vraiment à côté de lui. Hein. Voilà, c'est dans la motte. Une monnaie, hein. Alors, ça... Oh, c'est 10 francs, non? 1 euro. 1 euro pour de bon? Oh putain, ah, je suis vert. Oh là là. 1 euro ici, putain. Tout sauf ça, je m'attendais vraiment à tout sauf ça. Bon, mais tant pis. Hein. Ah, c'est quand même une trouvaille. Hein. Ouais. Merci Cédric. J'ai pas croisé. Oh putain. Allez, ciao. Allez là. Bon, bah, nouvelle trouvaille de Cédric et nouvelle trouvaille de moi. Bah Cédric nous a fait un DT je pense mais pourri ouais. Dans ce trou là juste à côté pourri. Et puis moi ouais fort ouais il est mort hein. Ça sert à rien on y verra rien quoi en photo à la fin hein. Ouais mais franchement nada ok pour celui-là et moi je fais un petit bouton là voilà je l'ai fait là dans ce trou là et celui-là est sympa par contre voilà. Un petit bouton à la grenade. Joli. Devrait bien revenir au nettoyage. Tout petit. Voilà, on va continuer. Hein, toujours dans ce labour. Là. Voilà. Tout petit, mais bien. Ah, franchement, pas mal. Il hein. N'y a pas une grosse surface, mais bon, on va dire qu'il y a des trouvailles. Allez, à tout de suite. Bon, ben, les amis, fin de ce week-end détection. Hein. Avec Cédric 13, hein. Donc on s'est régalé. Hein. Ouais, c'était un beau week-end. Un beau week-end. Bien marché. Ouais, bien marché, bien fatigué. Puis là on va rentrer. Hein. Donc le bilan hein, de ces deux jours et demi. Hein. Voilà. Donc voilà les trouvailles. Hein. Donc pas mal de trouvailles quand même. C'est pas extraordinaire mais ça reste quand même quelque chose de convenable. Quoi. Donc là les deux crucifix, une cloche. Le beau bouton là, une bague, Napoléon, 1 euro, 20 centimes, 1 soldi, 2 soldi, voilà quoi. Un beau bouton à la grenade, certainement un poids là. Un poids, après les trouvailles de Cédric. Alors, il nous a fait une jolie bague, la boursée de 10 francs, pas mal. Médaille religieuse, 10 centimes d'euros,
nous a fait un centime. Tu nous as fait un... C'est quoi, un Dupré, ça hein? Ouais, celle-là, c'est un Dupré. Ça, on avait 5 centimes Dupré. Napoléon, une clé de montre, une belle clé de montre, une fusaïole. Certainement une applique. Puis un dé à coude qui avait l'air sympa, mais bon, il est écrasé, quoi. Du coup, voilà le bilan de ces 2 jours et demi, quoi. Donc voilà quoi, on va profiter pour remercier Julien, Sébastien, Sandrine et voilà. Et Émilie Rose, ouais, la petite. Voilà. Donc ils se reconnaîtront, on les remercie de cet accueil chaleureux et ouais. Super bien reçu quoi. Merci à eux. Bon bah sur ce les amis, hein, je vous dis à plus et puis prochaine sortie dans le sud chez nous, mais pas avant octobre je pense. Voilà, ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao Cédric, ciao. Ciao.